C'est un édifice chargé d'histoire qui ouvre ses portes au public. Par groupe de 10, casque sur la tête et gilet de sécurité sur les épaules, il est désormais possible de pénétrer dans les entrailles du barrage de Tignes et d'en apprendre un peu plus sur la production hydroélectrique. On parle de l'écologie et on parle surtout d'un barrage qui est là quand même depuis 1947, fini en 52 et qui fait de l'hydroélectricité. Donc je pense que quand on vient en montagne comme ça et qu'on se retrouve devant cette architecture, c'est sympa de la faire visiter et au moins d'expliquer les termes techniques concernant l'hydroélectricité. C'est une grande fierté pour moi parce que moi ça fait 30 ans que je suis à Tignes et lorsque je suis arrivée en 1994, en fait la première chose que j'ai vue c'est le barrage. J'ai eu un coup de foudre, je ne suis jamais repartie. Une fois à l'intérieur, on découvre d'impressionnantes machines. Le barrage est à l'origine de la production de 80% de l'électricité consommée par les foyers de Savoie. Une production annuelle importante, 100% renouvelable, qui a entre autres donné l'idée à EDF de faire visiter ce mastodonte de l'électricité savoyarde. L'idée de la visite, elle consiste d'abord à permettre au plus grand nombre et au public de découvrir cet ouvrage emblématique, qui est le barrage de Tignes. C'est quand même l'ouvrage le plus haut de France, qui est emblématique par sa taille et par son emplacement dans les gorges proches de la ville de Tignes. Et la volonté d'EDF, c'est bien de faire découvrir ce patrimoine, découvrir le savoir-faire des hommes et des femmes qui travaillent dans la production d'énergie hydroélectrique. Alors, il y a beaucoup de barrages qui se visitent en France, hein, puisqu'il y a beaucoup d'ouvrages qui sont implantés dans pas mal de territoires. Peut-être la nouveauté ici, c'est qu'on ouvre un barrage quand même qui était jusqu'à présent fermé à la visite. La nouveauté aussi, c'est qu'on a construit un partenariat avec la ville de Tignes pour conjuguer nos forces. On met à disposition un ouvrage, la ville de Tignes met à disposition un guide, ses infrastructures de réservation, son organisation. Et donc, on est vraiment dans un partenariat gagnant-gagnant. Un pari réussi puisque les réservations affluent. En sortant de la visite, le public semble conquis. C'est super intéressant de comprendre l'histoire du village parce que tout découle en fait de la construction de ce barrage-là. Donc aux locaux et aussi bien aux touristes, c'est une super occupation. Si jamais un jour comme aujourd'hui on a un peu de pluie, c'est une super occupation et ça permet vraiment de comprendre un peu plus en détail le fonctionnement de Tignes et de ce barrage-là. Pour ceux qui seraient intéressés, la visite est au prix de 10 euros, 8 euros à partir de 3 personnes. Elles ont lieu 3 fois par jour la semaine et 4 fois le week-end. Les inscriptions se font sur le site de la ville de Tignes.